Pessah aura bientôt une très grande mosquée, un lieu de prière, certes, avec d'autres commodités, activités culturelles, école coranique en l'occurrence. Coût global de réalisation 19 milliards de dinars. Présentation du projet avec Fallah Abraz. Avant la fin de l'année, la grande mosquée Cheikh Larbi Tbessi pourra accueillir finalement ses fidèles. Sur une superficie de 3 hectares, 80% des travaux ont été achevés. Il s'agit de la réalisation d'une salle de prière, d'une partie pédagogique dédiée à l'école coranique et Darl Imam, ainsi qu'une partie consacrée aux activités culturelles. Cet édifice, qui a mis du temps pour voir le jour, a nécessité un coût global de plus de 19 milliards de dinars. L'État a pris en charge finalement ce projet avec une correction de l'étude en question et dans un cadre financement totalement à la charge de l'État. Donc ça, il est programmé, il est inscrit maintenant dans le cadre d'un programme sectoriel. Donc en 2010-2011, il fallait reprendre ce chantier qui était totalement à l'arrêt. Et il fallait redémarrer sur des bases solides. Véritable joyau architectural, la grande mosquée de Tbessa pourra accueillir 10 000 fidèles et compte 4 minarets d'une hauteur de 67 mètres chacun et 5 coupoles symbolisant les 5 piliers de l'islam. L'heure est pour le décor et le revêtement intérieur. On a fait appel à des spécialistes, ces spécialistes qui œuvrent dans le plâtre sculpté, dans le bois sculpté et même le vitrage qu'on aura utilisé en façade. Une fois achevée, la mosquée de Cheikh Larbi Tbessi sera classée parmi les plus grandes de l'est du pays, à l'instar de celle de Batna et de Constantine.